Sep et bienvenue sur notre chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour les Spartiates. Donc les Spartiates, comme vous le voyez, il fait super beau, il y a du soleil, avec de la bonne humeur. On est en mode Men in Black avec les lunettes Ray-Ban. Voilà, donc aujourd'hui mes Spartiates, j'espère que vous êtes à 300%. On va répondre à une question super importante qui m'a été posée sur ma plateforme de coaching à 300% qui est... Gratuite. Gratuite ou 300% gratuite? Elle est à 1000% gratuite. Qui est disponible sur mon site www.maitrecalcoach.fr. Une question super importante: comment perdre le maximum de poids et brûler le maximum de graisse rapidement avec le cardio? Alors la personne, apparemment, elle fait tous les jours du cardio, une heure par jour, 5 à 6 fois par semaine, mais elle n'arrive pas à perdre du poids. Quand elle monte sur la balance, ça bouge pas. Alors Karen, qu'est-ce que t'en penses? C'est malheureux. C'est malheureux, c'est... Non, je suis méchante. Non, il faut savoir optimiser donc, son exercice. Peut-être que c'est pas le fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Donc nous, on va résoudre, on va vous aider, okay, à trouver la meilleure façon pour, entre guillemets, perdre et avoir des résultats sur du long terme, okay, au niveau du poids, au niveau de la graisse, avec le cardio. Donc, pour perdre du poids, les Spartiates, il faudra... il faudra dépenser plus de calories que vous consommez durant la journée. Donc, épuisez vos réserves en calories. Tout ce que vous bouffez durant la journée va se transformer en calories. Donc, pour l'épuiser, on va l'épuiser avec le cardio. Mais pas n'importe comment. On ne va pas rester 4-5 heures à marcher sur le tapis. On va se fatiguer et on ne va pas brûler assez de calories, et du coup on va pas brûler assez de graisse. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour en salle. Je vais aller courir un tout petit peu sur le tapis. Je vais vous montrer une façon, un petit exemple. On va me faire une petite comparaison. On va changer un peu l'intensité, mais ça va avec le même intervalle de travail sur le tapis, et vous allez voir combien on va épuiser de calories dans les deux cas, et vers la fin on va faire une petite conclusion. Donc on se retrouve tout de suite. Yes. Alors pour commencer mes Spartiates, je commence à programmer le tapis à 1 minute. Voilà, le temps je le programme à 1 minute directement. Je mets entrée, et après au niveau de la vitesse, là je vais choisir une vitesse normale. Donc là je vais courir à 5 km/h. Voilà, je mets à 5, tac, tac, tac. Voilà, j'ai une cadence normale. C'est pas en intensif, limite on peut marcher sur le tapis. Voilà, regardez, parce que limite on peut marcher sur le tapis, c'est-à-dire que c'est tranquillement. Donc le but là, c'est que je vous montre combien je vais épuiser de calories dans ce cas-là, en 1 minute, avec 5 km/h. Donc j'ai laissé la vidéo en temps réel. Après, si je vais l'accélérer, etc., pour qu'on voit tous les détails et tout, et combien de calories, bien sûr, on a épuisé. Dans ce cas-là, voilà, vous voyez que c'est pas intensif du tout. Je peux rester même une heure, deux heures à courir comme ça, tranquillement. Certes, il y a des gens qui font ça à la salle de sport, il y en a pas mal, hein, qui font ça à la salle de sport. Mais le truc, c'est que là, voilà, on a fini, regardez. Là, on a épuisé 3. Le nombre de calories qu'on a épuisé, j'ai juste 3 calories, mes Spartiates. Donc là, je stoppe. Je recommence directement. Je reprogramme à 1 minute. Donc, on choisit le même intervalle de temps. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Par contre, là, je vais commencer à courir. Je vais courir à 10 km/h. Qui est quand même une vitesse conséquente. Donc là par contre, ça va pas être la même cadence, ça va pas être le même rythme. Donc ça va être un peu en intensif, regardez. Oh, c'est normal, c'est pas la même vitesse. Donc je cours plus vite. Voilà. Du coup, je vais m'épuiser en plus plus rapidement. Je vais transpirer plus vite. OK? Donc là, c'est un bon rythme quand même, c'est déjà pas mal. Donc là, on a pris le même intervalle de temps, on a augmenté la vitesse, donc ça devient de plus en plus intensif, et on va voir combien on va épuiser de calories. Dans le premier cas, on a épuisé que 3 calories, le nombre de calories épuisées c'était 3,
Et dans ce cas-là, on va voir combien on a épuisé. Donc, et après, donc comme on a pris le même intervalle de temps, on va se baser sur le nombre de calories. C'est lui qui va gérer la perte de poids et de graisse, etc. Parce que le but, c'est d'épuiser nos réserves en calories. Et là, vous voyez, j'ai épuisé 10. 10. Le nombre épuisé de calories, c'est 10. Qui fait deux fois, à peu près deux fois et demi. Alors, mes Spartiates, j'espère que vous avez compris un tout petit peu ce qu'on a fait là sur la, le tapis. Le tapis. Donc, on a pris le même intervalle de travail. Une minute. Voilà. Sauf qu'on a changé quoi ? L'intensité. Donc. Enfin, la vitesse sur le tapis. Voilà. Donc, au début, on courait par exemple à 5 km/h. Et dans le deuxième, on courait à 10. Voilà. Sauf que, si vous voyez, on a brûlé plus de calories avec le deuxième, entre guillemets, intervalle, avec une intensité un tout petit peu plus forte, qu'avec le premier intervalle où on était à 5. Ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Il ne faut pas garder le même rythme sur le tapis. Par exemple, une heure en marchant, tac, 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 et s'estimer qu'on va brûler le maximum de calories. Je ne te demande pas de courir une heure. Hein. Mais si, par exemple, tu fais quoi ? Tu fais 10 minutes, tu cours à fond, tu t'arrêtes 5 minutes. 10 minutes, tu cours à fond, tu t'arrêtes 5 minutes. En intervalle, 10 minutes, tu cours à fond, tu augmentes l'intensité. Après, tu baisses, tu marches, tu récupères pendant. Mais tu gardes toujours ton corps en mouvement. Et c'est là que tu vas accumuler petit à petit les intervalles et tu vas brûler le maximum possible, okay, de calories. Et ça va épuiser tes réserves de calories que tu as. Et c'est là que tu vas te dire, sur du long terme, tu vas perdre du poids. De la graisse. Voilà, et de la graisse. Et ça, c'est pas beau. Donc, magnifique. Voilà. Donc, il ne faut pas se dire, bon, je viens tous les jours à la salle, je prends le tapis ou le vélo elliptique, je garde le même rythme, je me fais 4 heures. Et je lis, je regarde le téléphone portable, etc. Parce que la plupart, vous faites comme ça, les filles. Oh, Snapchat, Snapchat, Snapchat. Voilà, un petit Snap, un petit Instagram, un petit machin. Non, tu es sur le tapis, tu cours. Ok ? Tu ne marches pas. Bah, si tu veux marcher pour récupérer, ok. Mais il faut aller pendant un moment, il faut accélérer, il faut donner à fond, il faut se donner à fond, l'intensité elle augmente, voilà, le rythme cardiaque il va augmenter, on va courir, on va épuiser plus de calories. Donc travaillez en intervalle. Bah après, je vous demande pas, commencez petit à petit. Bon, c'est clair que quand on est en surpoids, on n'arrive pas à courir plus par exemple de 5 minutes à fond, on a du mal à courir, on galère, c'est vrai ou pas ? Oui. Voilà, donc commencez petit à petit. 2 minutes, on court. À fond, on essaye de le maximum possible. De toute façon, quand vous allez augmenter la vitesse, ça va se voir si on peut gérer ou pas. Petit à petit. Et ne jamais partir défaitiste aussi. Voilà. Il ne faut pas dire, ouais, voilà. Ouais, je suis trop grosse, je ne vais pas y arriver, machin et tout. Ben non, hein, faut bouger ses fesses. Voilà. Sinon, vous allez rester grosse toute votre vie. Par contre, autre chose, c'est l'alimentation. Et c'est clair, c'est que des fois, on n'arrive pas à brûler le maximum de calories durant la séance parce qu'on a tellement bouffé de conneries durant la journée. Et toutes les conneries que vous bouffez, ça va s'accumuler. Si par exemple, vous me bouffez 5000 à 6000 calories par jour, est-ce qu'on va les épuiser sur le tapis? Après, si vous êtes Flash Gordon qui court... voilà, patate, lui au moins je pense sur le tapis et va brûler 10 000 calories. Mais sinon, franchement je vous le dis, hein, par une heure de cardio bien, le max ça va être entre 600 et 700 calories. C'est vrai ou pas, 600, 700 calories, mais franchement ça épuise. Hein. Vous êtes lessivé, vous transpirez à fond et tout. Bon, c'est clair que vous allez avoir des résultats, vous allez perdre la graisse, vous allez perdre du poids et tout. Mais ça va pas être facile. Et pour arriver à ce niveau-là, ah, il faut prendre du temps, hein, 6 mois, 9 mois pour avoir un bon rythme, franchement, et avoir du cardio. Ok ? Donc, faites attention à votre régime alimentaire, c'est la base. 80% du travail, ça vient d'où, Karen ? À l'alimentation. Il n'y a pas. Donc, comme vous nous avez demandé la dernière fois, on va essayer de faire de plus en plus de vidéos, de repas, d'idées, de recettes, de diètes. Je vais vous faire une diète sur la prise de masse, quand je rentre en prise de masse pour 2 mois. Karen, quand elle est en sèche, il y a bientôt l'été, donc là,
Je vous dis même pas, le maillot de bain, ça va sortir, là, les tablettes et tout, là, ta 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 ta. Voilà, donc elle va vous montrer comment elle mange du matin au soir, les compléments alimentaires, tout, tout détaillé. On est là pour partager avec vous les Spartiates. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. On va essayer de les interpréter sur notre chaîne. Ok ? On va faire notre maximum possible. Tous les détails sans les compliquer. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à la question. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook qui est Hardcore Team HK. Sur notre Instagram qui est le mien, Maître Cal, celui de Karen. Bye Karen. Toujours, 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 posez-nous vos questions sur notre plateforme A300% qui est 100% gratuite et disponible sur le site www.maitrecalcoach.fr. Elle est 100% gratuite, vous posez vos questions, on va essayer toujours de répondre le maximum possible. Ok les Spartiates, merci pour tous vos messages de soutien. Ok, on va continuer le combat. Il y a des nouveautés qui arrivent, il y a pas mal de trucs. On va essayer de vous partager le maximum possible. Ok. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et surtout, 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 restez à 300%. Car là, on est en train de chauffer, mais à une façon pas possible. Allez les Spartiates, je vous quitte avec le sourire. On reste toujours à 300%. Yes.